Depuis toujours, le regard que nous portons sur nos fidèles compagnons a été voilé par des mythes et des conceptions éloignées de la réalité profonde. Ces idées, forgées par le temps et souvent par méconnaissance, ont dessiné une vision réductrice de ces êtres si sensibles. Imaginez un moment que nous reconnaissions nos compagnons, non pas comme des simples animaux, mais comme des êtres sensibles avec lesquels nous pouvons tisser des liens basés sur le respect, l'amour et une confiance inébranlable. Tant de stagiaires m'ont raconté leur parcours, évoquant les chemins qu'ils ont empruntés avant de croiser notre formation. Ce qu'ils ont découvert, ce n'est pas une simple méthode, mais une nouvelle façon de percevoir. Au cœur de notre enseignement, il n'y a pas que des commandes à suivre, mais une invitation à établir une relation profonde, authentique et infiniment respectueuse. Car nous ne nous griffons pas seulement la surface, nous plongeons dans l'âme de chaque chien, cherchant à saisir ses émotions, ses interactions, ses besoins profonds. Les solutions éphémères qui masquent les problèmes ne sont pas de notre credo. À travers notre formation, nous embrassons une vision holistique, célébrant et honorant chaque chien dans son essence unique. Chaque chien est un monde en soi, un tourbillon d'émotions, de pensées et de désirs. En dépassant les vieux mythes, nous touchons du doigt l'enchantement d'une connexion authentique. Mais cette révélation ne s'arrête pas à ces mots. Ce que vous êtes sur le point de voir est le miroir de notre passion ardente, de notre dévotion totale, de notre hommage respectueux à nos compagnons canins. Laissez-vous emporter dans un voyage où vous percevrez le monde à travers leurs yeux. La vidéo commence maintenant. Bah, c'est Taya, elle a 1 an, on l'a achetée en élevage, 2 mois tout pile. Là en ce moment c'est les vélos, joggers, voitures, tout ce qui va bouger, que ce soit un linge, que ce soit un rideau ou quoi que ce soit, c'est elle veut tout attraper. Les voitures, pour la sortir maintenant, on est obligé de vraiment d'être sur nos gardes et quand il y a une voiture de s'arrêter et de la lever, sinon elle fond sur la voiture. Elle s'est déjà fait bouler par une voiture et elle s'arrête pas. Elle se jette vraiment, elle s'arrête pas en fait. Moi j'ai déjà fait l'expérience de la laisser aller pour voir si elle s'arrêterait, mais pas du tout. Et au début tout allait bien, ça a commencé à 4 mois. Jour au lendemain, elle a déclenché sur les gens. Ça a été crescendo. Je me suis assise sur un banc, les gens passaient à côté de nous, mais c'était les crocs. J'ai dit, mais c'est pas mon chien, quoi. Alors, on a vu un éducateur, ça l'a frustrée encore plus. Déjà, on faisait des séances de 2 heures et demie. C'était énorme. Moi, je lui ai dit, mais en fait, il faut arrêter les grosses séances. Ma chienne, elle en peut plus. Elle est en train de péter les plombs. Moi, je la retrouve à la maison, elle pète les plombs. Je suis obligée de la calmer derrière, quoi. Enfin, au début, je m'en suis pas rendu compte, mais c'était beaucoup du détournement d'attention. C'était beaucoup, hop, il y a le jouet, il y a une voiture. Hop, il y a le jouet. C'était beaucoup, tiens, tu prends le jouet, t'occupes de la voiture, quoi, en fait. Après, ça a été beaucoup blinde de friandises. Bah, elle s'en fichait, en fait. C'est dès qu'elle avait la friandise, elle recommençait, quoi. Et c'était ça pendant plusieurs séances. Ça a pas changé. On a fait la même chose. À force de faire des séances, moi, je lui ai dit, au bout d'un moment, si ça continue, moi, j'arrête. On a fait une séance de 2 heures. Et en fait, moi, je lui ai dit, stop. Ma chienne, elle en a eu marre. Elle a complètement pété les plombs. Elle a attrapé quelqu'un. Elle a attrapé un enfant. Parce qu'en fait, on marchait dans la rue. Elle ne n'aboyait plus sur les gens. Mais en fait, elle a eu un regard. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle l'a attrapé. Mais sans mort, parce que je l'ai vu faire et en fait elle a vraiment attrapé, elle m'a rejeté un coup d'œil de côté et j'ai eu le temps de la tirer en fait en arrière. Après on a vu un comportementaliste, mais c'est un vétérinaire comportementaliste. Bah déjà elle avait la muselière, elle était entre mes jambes, je la tenais bien et en fait c'était vraiment une très très grande pièce. Il était tout au bout dans le coin, mais vraiment il était comme ça, tenez-la bien. Ah oui, je la tiens, elle a une muselière. Donc du coup je dis bon, donc déjà je venais et pour le truc de comportement et pour un problème de veto aussi.
Il l'a à peine ausculté. Et après, en comportementaliste, il m'a dit qu'en fait, elle avait une phobie sociale, qu'il fallait la mettre sous antidépresseur parce qu'on pouvait rien faire, qu'on pouvait rien faire d'elle, tout ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il rencontre des chiens? Non, maintenant. C'est, on a trop peur, ouais, en fait. C'est nous, en fait. C'est un cercle vicieux. Parce qu'on a peur que ça se passe mal avec les propriétaires ou même les chiens. On a fait énormément de choses. On s'est beaucoup remis en question. On a changé beaucoup de choses. Mais en fait, rien ne marchait. Plus elle voyait de spécialistes, plus ça empirait. Plus nous, on changeait, on se remettait en question. Ça s'améliorait, ça rechangeait, ça empirait. Et en fait, un jour, on n'a plus rien fait. Juste, on faisait normalement. Et en fait, on a remarqué que crescendo, ça empirait, en fait. Et on s'est dit, ben, en fait, on va faire quoi? Et en fait, là, j'ai dit à Sarah, j'ai dit, mais je connais quelqu'un. Elle m'a dit, ah bon? Et j'ai dit oui, je viens y penser là maintenant, je n'avais pas pensé, repensé avant. J'ai dit, ça, parce que ça fait plusieurs années que je connais la méthode Gunn. J'ai dit, bah, y a la méthode Gunn qui peut peut-être nous aider. Donc il faudrait qu'on tente et puis on verra. Parce que là, on était vraiment désespérés. On a regardé beaucoup, beaucoup de vidéos sur la chaîne et tout pour voir. Parce qu'on s'est dit, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que papy, elle ne profite pas? Nous, bah, on est tout le temps stressés, angoissés quand on la sort et tout. Même quand on reçoit du monde, si elle ne connaît pas les personnes, c'est foutu. On est angoissé tout le temps et puis ce n'est pas une vie pour elle. Nous, on a pris un chien pour voyager. Pour l'emmener partout. Bien, on peut pas. Mais on peut pas. Donc ça nous embête. Et Ben qui va rentrer en scène pour prendre contact avec votre compagnon. Selon vous, comment ce chien va l'accueillir? Je pense que ça va être aboiement, on va tirer tout ça, va beaucoup tirer. En général, c'est ça. Ça va être beaucoup de trucs en fourbe. Je vais rien montrer, je vais ignorer et après ça va être. Bien. En tout cas, on va voir ce que Eden va déceler avec votre compagnon. Allez, Eden, la chaîne spécialisée, c'est maintenant. Ah!
T'as sauté pour prendre le malaise. D'accord, on va lui enlever mon bébé. D'accord. On va lui enlever la laisse. D'accord. Ok. Vous êtes prête à détacher votre chien ? 3, 2, 1. On est sur du concret et on voit les chiennes travailler. Et là, on comprend en fait ce qui se passe, les interactions qu'ils ont entre eux, et on comprend qu'en fait que c'est pas de la poudre magique qui est semée, et qu'en fait les chiens sont en train de communiquer. Avec lui, on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu Akash communiquer avec d'autres chiens. Et puis le second point, c'est aussi de voir notre chien qui ne fréquente pas d'autres chiens. Là, avoir pu côtoyer 4 chiens étrangers, 4-5 chiens étrangers sur 2 jours, il peut côtoyer ses congénères. En tout cas, très bonne expérience. On est vraiment très satisfait. On sait qu'on a beaucoup de boulot à faire par la suite, et ça va être le plus important d'ailleurs. Mais on a des bonnes clés, des bons outils pour continuer le travail. Ouais. On est ravis de l'expérience, ravis de t'avoir rencontré, Joseph, aussi. C'est une très belle expérience où on se remet aussi, nous, en question, de se dire qu'en fait, le problème, il vient pas que du chien, mais beaucoup du maître. C'est impressionnant, comme je disais lundi, en fait, faut le voir pour le croire, et puis elle a su s'adapter aussi à ma chienne, et elles se sont comprises toutes les deux, et j'aurais pas pensé, hein, pourtant, au départ, j'étais mal partie. Pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, j'avais tellement peur que du coup, ma chienne attaque la vôtre, elle avait jamais été mise en liberté avec d'autres chiens, donc... Et puis bah finalement, on a la preuve là, en image, que ça passe bien, elles sont chacune de leur côté. Et...
super expérience. Oui. Vraiment génial. Les chiennes, elles sont spectaculaires. Incroyable. Vraiment incroyable. Dexie, elle est... Oui. Elle est calme, elle est juste. Ils Eden, savent faire, elle est... en fait. Ouais. Franchement, c'est... Ouais. Ils ont toutes les deux leur manière à elles de faire, mais le résultat est le même. Ouais. Franchement, c'est incroyable. Mais déjà, ouais, depuis, les... depuis le début, on a suivi les conseils. Et franchement, il y a une amélioration quand même. Il y a vraiment une bonne amélioration. Des personnes qu'on a vues, ils nous ont jamais dit... On nous a pas éduqués, nous, en fait. En fait, on a vu un éducateur, on a été à l'école du chiot, et on a vu un vétérinaire comportementaliste. Ouais. C'est tout. On n'a pas voulu aller plus loin, parce que en fait, à chaque expérience qu'on avait, bah, c'était... Ouais, ça montait pire, en c'était crescendo, c'est... Donc on a dit stop. La prochaine, c'est la bonne, ou... ou sinon, voilà. Donc, voilà. On avait besoin de vrais conseils et des chiennes. Surtout qui sont géniales. Mmh. On avait besoin de ça. Vraiment grand besoin. Bien au niveau des chiens, bah, les chiens. Et au niveau humain, quelqu'un qui nous dise ce qui ne va pas et ce qu'il faut qu'on change. Et... Franchement, j'ai plus l'appréhension parce qu'avant, j'étais vraiment stressée, angoissée et j'osais même pas. Et alors que là, je suis vraiment sûre de moi et je sais ce qu'il faut faire, je sais pourquoi et tout ça. Quoi. On se posait des questions et maintenant, on a les réponses aux questions. C'est ça. Donc on est plus sûr de ce qu'on fait et on se dit pas mince, est-ce que ça va marcher ou est-ce qu'il faut changer ? Est-ce que... C'est ça. Maintenant on a les clés en main et puis c'est à nous de... Dans l'éducation, je suis beaucoup moins hésitante aussi parce que bah, je sais ce qui marche, je sais ce qu'il faut faire. Maintenant, donc bah, ça va vraiment beaucoup mieux. Même la chienne, elle voit que je suis plus hésitante, que je suis sûre. Allô ? Bonsoir, c'est Joseph de la méthode Gun. Bonsoir, oui. Comment ça va ? Ça va super. Je voulais voir un petit peu comment ça a évolué avec ton compagnon. Franchement, ça va. On voit beaucoup d'évolution sur pas mal de choses. On a fait une balade dimanche matin. Ouais. On a fait une grande, grande balade avec un autre chien. On a, en fait, c'était pas du tout prévu, mais on a croisé énormément de monde. Les derniers vélos sont passés et pas un mot. C'est que le début ? Oui, c'est que le début. Mais on est contente. Franchement, ouais, on est heureuse parce qu'on voit vraiment... même à la maison, elle est plus... dès qu'on se lève, elle est plus en train de nous suivre. Ouais, mais ça évolue dans le bon sens. On est vraiment contente. Franchement, je suis beaucoup plus confiante pour la sortir. D'habitude, quand on croise du monde, je suis vraiment, vraiment pas confiante. J'ai peur, je suis pas sûre de moi. Et là, franchement, j'étais vraiment sûre de moi. Non, puis on est vraiment reparti sur... sur des bonnes bases, moi je suis vraiment beaucoup plus confiante, j'ai plus peur, j'ai plus du tout peur et puis je sais comment l'apprendre, je sais comment aborder la chose et puis on voit vraiment de l'évolution quoi. Dès le premier jour, on a appliqué les conseils que tu nous as donnés dès le premier jour. Le matin on est venu, le premier jour, l'après-midi on a fait les choses et déjà rien que l'après-midi on avait vu une petite évolution de ce qu'on n'avait pas avant. Et là je me suis dit en fait, oui, clairement c'est magique. Enfin c'est pas magique mais on s'est dit ouais là ça peut vraiment faire quelque chose quoi. Dans ta façon d'enseigner, dans ta façon de, on voit vraiment que bah tu connais le chien en fait et tu sais comment t'y prendre, que bah tes méthodes ça marche hein. Nous, tes proches ont vu le chien une semaine après le stage? Ma maman et mon papa ils l'ont vu quelques jours après et on a fait exactement bah tout ce que tu nous as dit aussi. Et d'habitude c'est pareil, elle en était très 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 étonnée. Parce que d'habitude, elle nous écoute pas. On lui demande d'attendre parce qu'elle est très très folle avec ma famille. Et en fait, d'habitude, elle nous écoute pas. On lui demande d'attendre. Elle est furie. Et là, je lui ai demandé d'être à sa place, d'attendre. Elle n'a pas bronché. Elle est restée à sa place en attendant que je lui dise qu'elle pouvait y aller. En résumé, ton chien n'a pas fait ce qu'il faisait avant. C'est ça. Je pensais pas qu'il y aurait autant de changements en si peu de temps.